Juste avant qu'on commence la vidéo actualité, vraiment restez bien ici parce qu'aujourd'hui c'est pas une dinguerie les petits potes, j'ai reçu tout simplement un colis, voilà les amis, un colis vraiment assez spécial de mon partenaire, franchement qui fait plaisir d'ailleurs comme vous avez pu le remarquer. Je porte un maillot, voilà, de mon partenaire qui m'envoie des maillots pour tout simplement vous les présenter et pour vous montrer à quel point ils sont incroyablement faits. En plus, ils coûtent pas très cher. Du coup, tout se passe sur eMixFoot. Voilà, comme vous pouvez le voir sur votre écran, les maillots sont pas du tout chers, sont à 26 euros, il me semble. Et franchement, la qualité-prix, comme vous pouvez le voir juste ici, regardez-moi ça. Tout est magnifiquement fait, même le tissu. J'ai reçu d'autres maillots dont je vais vous présenter. Du coup, j'ai reçu celui-ci. Alors, en plus, c'est parfait parce que vous avez des maillots enfants. Du coup, je me suis dit, mon neveu est fan du Barça. Ben, tout comme moi, du coup, j'ai voulu lui prendre, tac, le maillot du Barça avec tout simplement, hop, les petits badges, comme vous pouvez le voir, Europa League et UEFA. Et derrière, regardez, je lui ai mis son petit nom. Voilà, Kylian, numéro 22. Bon, c'est le nom de mon neveu. Et regardez-moi ça. Regardez-moi comment les textures sont juste magnifiques, même le flocage comme vous pouvez le constater. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est des tenues enfants, donc j'ai forcément reçu le short qui va avec. Voilà, hop les, regardez, short qui va avec, numéro 22, et même les chaussettes. Et franchement, c'est assez incroyable. Il faut savoir que vous recevez tout, voilà, sur des pochettes comme ceci. Regardez, hop les, comme ceci, attendez, non. Je me suis trompé, voilà, comme cela, pardon. La pochette Nike avec tout qui est bien rangé. Après, c'est moi qui a tout ouvert. Sinon, j'ai reçu un autre maillot pour ma soeur cette fois-ci. Parce que oui, il faut profiter, il faut faire des beaux cadeaux. Regardez, le maillot des États-Unis, puisqu'elle est fan des États-Unis. Regardez-moi cette dinguerie. Regardez-moi cette dinguerie. Vous le recevez avec tout simplement l'étiquette Nike. Avec même comme vous pouvez le voir, voilà. Hey, mais franchement les gars, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie puisque moi et ma famille on est fan des États-Unis. Du coup je me suis dit pourquoi pas prendre un maillot pour des États-Unis comme celui-ci. Et j'ai même commandé, j'ai même pris du moins ce maillot. Et franchement c'est le plus beau maillot. C'est le plus beau maillot, regardez. Hop les, le maillot du New York Red Bull. Regardez-moi, hey, mais cette dinguerie. Mais cette dinguerie, il est magnifique. Il est magnifique, n'hésitez pas à noter le maillot sur 20. Mais franchement, pour moi, c'est le plus beau. Du coup, voilà, cette vidéo est vraiment faite pour vous montrer qu'il y a vraiment des sites. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des maillots que dès que vous les recevez, il vous manque le logo Nike, par exemple. Ou il vous manque le logo du club. Juste pour vous dire que grâce à eMixFoot, les amis, vous avez de très beaux maillots et très peu chers. Et en plus, les gars, en plus, vous avez 15% de réduction avec le code BC. Donc, n'hésitez pas à profiter. Et du coup, voilà quoi, les amis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la vidéo. C'est parti. Les frérots, on commence par une magnifique nouvelle. Quand on apprend simplement que Ansu Fati est prêt et devrait revenir contre Majorque ce dimanche, depuis le temps qu'on attend le retour de notre petit prince Ansu Fati. Là, du coup, on apprend que c'est pour cette semaine et enfin, ça fait vraiment plaisir. Alemani était très content après la réunion, quelque chose s'est passé, alors vous devez me dire mais quelle réunion. Alors hier le Barça a tout simplement fait une réunion avec le staff et tout pour tout simplement parler du mercato estival qui va bientôt arriver et du coup quelque chose s'est passé, ça veut dire qu'il va peut-être avoir un très gros nom qui va signer au Barça ou je sais pas, peut-être une grosse signature. Du coup on apprend ça et j'espère en tout cas que ça va être vraiment une très grosse signature, faut juste attendre. Lewandowski a donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone. Il est l'objectif numéro 1 du club. Le Bayern doit trouver un remplaçant afin d'avisager son départ. D'autres rencontres bientôt. Alors, je vais pas vous mentir, un coup c'est il va rejoindre, un coup il va prolonger. Bon, maintenant, on va plus trop faire attention. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On n'en sait rien, mais en tout cas, comme vous le savez, moi j'espère qu'il va venir. Donc, on verra comment ça se passe. Au pire, on attend la période estivale et au pire, on verra. Mais maintenant, je pense que c'est trop tôt pour tout simplement officialiser quelque chose. Alors, pour la dernière information, les frérots, on apprend tout simplement que Dembélé a des propositions écrites du PSG sur la table. Voilà, alors vous savez qu'il veut prolonger au Barça, mais le PSG propose tout de même 17 millions nets plus prime à la signature. Le PSG n'a pas reçu de réponse et demande une réponse aux Français. Comme vous le savez, hein,
Dembélé veut prolonger au Barça et aussi il y a Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, qui est actuellement à Barcelone pour négocier le contrat de Dembélé. Donc peut-être qu'il va prolonger ou peut-être qu'il va partir. Pour vous, que doit faire Dembélé? Est-ce qu'il doit prolonger ou est-ce qu'il doit rejoindre le PSG? Du coup les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette dernière t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude les amis, vous connaissez le refrain, je vais pas me répéter. Je te fais de gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, nouveau live. Allez, bisous.